Thank you.
mousse dure, rigide. On peut pas déformer. C'est juste de la mousse rigide collée avec des petites faux herbes synthétiques par-dessus. C'est pas terrible. Je pensais c'est on peut déformer pour avoir une forme légèrement différente, mais c'est hyper c'est du polystyrène rigide où on peut pas déformer. Je croyais ça petit sac sous tissu légèrement où on peut déformer comme ça, un mini sac de sable, mais c'est pas du tout, c'est du polystyrène rigide. Donc pas terrible du tout, mauvais achat pour ça. Ça c'est très moche, la couleur du petit ça va encore, mais celui-là il est légèrement déformé ici. Je sais pas si on peut reprendre la forme qu'on veut, mais apparemment pas trop. S'il y a un fil de fer à l'intérieur, c'est très bien. On peut déformer comme on veut. Mais ça ne semble pas être le cas. On ne peut pas trop. Légèrement peut-être. Si, peut-être oui. Parce que ça, il reprend là. Là, par exemple, j'ai le tord. Il revient au départ. Donc, on ne peut pas vraiment déformer comme il faut. C'est assez rigide aussi. Mais avec un léger souplesse. Bon, ça va encore. Donc, pas terrible dans tout ça. Longueur. environ 8 mm d'épaisseur, hauteur de l'herbe synthétique. Le toucher, ça picote légèrement, souple en même temps, souple et léger picotement avec des poils en synthétique. Très doux, la base en derrière, c'est du feutre, du feutrine. C'est agréable, c'est très bonne qualité.
ça s'enlève pas. Quand on tire légèrement, ça reste collé assez solidement. Il y a un mélange de couleurs, on dirait, entre sombre et clair, les petits filaments d'herbe là. C'est un mélange de couleurs claires et sombres, vertes. Les deux mélangés, c'est pas mal du tout. C'est vraiment, c'est même très bien. Là, par contre, j'ai des miettes, des poils d'herbe qui sont un peu ici là, qui sont retirés de son tapis de feutre. Donc c'est bonne qualité. C'est du 30 cm sur 30. J'ai pris le plus grand. C'est 15. Ce qu'on trouve en moyenne, c'est 15 cm sur 15. J'ai pris le double en surface, donc 30 sur 30, un peu plus large, afin de pouvoir découper à la largeur que je veux, coller sur planche, afin de faire un terrain herbeuse. Voilà. On va dézoomer un peu. Les deux tapis d'herbe de 30 cm sur 30. Et j'ai pris des cailloux d'herbe, plutôt de la mousse polyester rigide, avec texture herbe. Ici, donc j'ai pris 3 crans, environ 10 cm, entre 8 et 10 cm. 3, voilà ici. Et j'ai pris 5 moyennes, surtout de 7 ou 5 cm, 5 moyenne et 3 à 5 petits, voilà. Et en même temps, il y avait par paquet de 5 unités, donc je pensais que c'est la même taille que cela, un de chaque, quoi. Je pensais qu'ils font comme ça, un grand, deux moyennes et trois petits. Je pensais ça. Et en fait, regardez, le paquet de 5 pièces, en fait, c'est très, très, très petit. C'est hyper petit. C'est plus petit que les petits. Le paquet de plusieurs multi-pièces. Donc, heureusement, parce que je voulais pas prendre les petits. Je pensais que cela va remplacer, mais en fait, c'est 4 tailles différentes. Donc c'est très différent. On voit qu'il y a des couleurs et la poussière d'herbe. Par contre, ça m'a l'air un peu douteux. Regardez. La mousse polystère. Donc polystère peint en noir autour. Après, ils l'ont recollé avec des petits poils d'herbe. Beaucoup plus fines, beaucoup plus petits que ceux-là. Voilà, c'est très très fine. Ceux-là, par rapport au tapis, qui est beaucoup plus long. Beaucoup, beaucoup plus long. Et là, c'est le plus gros caillou. Donc, ça picote légèrement. Mais c'est plus légèrement plus doux que le tapis, parce que c'est très fine. Il fait dans les 5-7 cm. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils sont chacun dans leur sachet, parce qu'ils n'en vendent par unité. C'est pas... Par contre, celui-là, il a l'air un peu légèrement mieux, on dirait, mais c'est pareil à peu près. Après, la petite taille, qui est ici, qui fait 4 cm, je crois. Bon, on va voir tout ça ensemble, en même temps. Ah oui. Il est coincé. Ah, du coup, il est coincé, je ne peux plus... Ah, si. Quand même.
Là, on fait. Donc, c'est en millimètres. 60, 61, 62 mm. Donc, 6 cm, à peu près le petit. La moyenne. Il fait 8 cm environ. C'est ça. 82 mm. 8 cm. Et là, il fait autour de 10. Plutôt ici, le plus grand. Voilà. 10 cm. 100 mm. Et la largeur, c'est 8,4, 8,5. Celui-là, la largeur, il fait 7, 8 environ. Et le plus petit, il fait la largeur de 4, 4 et demi environ. Sur 6, 2 centimètres. Voilà. Donc, pour les dimensions qui ressemble à de l'herbe, qui fait réaliste au niveau visuel, mais du coup au toucher tout ça c'est pas agréable du tout, ça picote sur la paume des doigts, des mains, et la qualité, aux textures c'est dur, enfin c'est pas terrible. Et le petit, les petits 5 pièces par paquet, donc c'est toujours dans la même veine, mais en beaucoup plus petit encore. Du coup, déception un peu aussi, parce que je pensais c'est la même dimension, mais qu'ils l'ont regroupé pour faire un prix par lot, mais apparemment non, c'est du arnaque parce qu'elle est très petite et ça pique les doigts. Voilà, il fait du 4 cm, c'est ça, 4 cm de 2 mm sur 37, 27 de large. Donc c'est très petit. Déception un peu. Commandé par unité, j'aurais pas dû, parce qu'il y a des parlots 50, 10, 70 pour pas trop cher. Du coup j'ai pris différentes formes, différents modèles, différents. Du coup ça revient très cher. 2 euros et quelques, je crois. C'est 2 euros et 1 euro quelque chose. C'est hyper cher. Du coup, je prie. Alors que pour 400 euros, j'en ai pour 100 pièces, des trucs comme ça. 50 pièces. Donc la différence est gigantesque, quoi, au niveau prix. Mais ça va. C'est pas super génial, mais c'est acceptable, on va dire. La couleur du petit, je préfère. Voilà. Pour les deux arbres. Je sais pas comment je vais faire tenir. Après, donc tout ça, c'est acheté par unité. Regardez, ça tombe, ça n'arrête pas de tomber les arbres, l'herbe, tout ça. Il y a des mots. Ça tombe sans arrêt, en fait. Là, c'est 2, 3 euros, 4 euros, je sais pas combien. C'est fait en quoi, je sais pas. Et cadeau, ils m'ont filé 3 petits canards. 3 petits vilains canards. Et je vais vous montrer encore le reste. Il y a le pont. Le pont. Le petit escalier en caillou, en pierre. Tout ça. Bon voilà, c'est un gros lot que j'avais pris, qu'ils ont envoyé dans un carton. Voilà, c'est tout. Donc on peut piquer dans les cailloux, c'est en polystère, donc on peut piquer dessus. Voilà, au milieu. J'essaie de boucher le trou si c'est possible, c'est en polystère. Normalement. Voilà. Et le reste. J'ai pris des ponts en caillou, en pierre. Un pont en pierre.
4 euros, quelque chose comme ça. Un puits pour récupérer l'eau. Le troisième canard cadeau. Les trois. Voilà. Un pont, escalier. Bon. Ah, c'est deux pièces. J'avais commandé un de chaque. Pour les maisons ou le petit couloir. Là c'est décor asiatique, lampe normalement, voilà, pour la lampe. Des petites plantes pour le jardin. C'est un lot de 5. Des chaises, du banc fait en tronc d'arbre. J'ai commandé deux pièces. Voilà. C'est fait en résine. Du coup, c'est magnifique. Bon, en tronc d'arbre, deux pièces commandées. Après, c'est tout. Hein. Ouais, j'ai plus rien. Coincé en gros plan. Ce que j'ai. Un pont en pierre. Une sorte de fontaine fait en béton avec lampe. Une autre lampe. En pierre ou en ciment, voilà. Et on y va pour la décoration, hein. Thank you.